Dans ma patte, de Dorothée Coppel et Marie Novion. Dans une forêt que personne ne connaît, il y a une belle maison. La maison de Papa Ours et ses deux oursons. Ce matin, les oursons ont très faim. Un quart du poisson ! Un quart du poisson ! Du poisson pour mes gloutons ? Attendez-moi là, restez bien sages. Je cours à la rivière. Mais Papa Ours est à peine sorti qu'on entend déjà les oursons sauter, crier, chahuter. Papa Ours revient dardard. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je ne peux pas vous laisser seul une minute. Il va falloir trouver quelqu'un pour vous garder. Papa Ours prend un sac et le remplit de petits gâteaux. Bas les pattes, les oursons ! Ces gâteaux sont pour celui ou celle qui vous gardera quand je ne suis pas là. Papa Ours attache le sac sur son dos. Allez hop, en route ! Et les voilà partis tous les trois. Font les grosses pattes de Papa Ours. Font les petites pattes des oursons. Tiens, voilà Corbeau. Tout en mastiquant un asticot, il sautille vers Papa Ours et les oursons. Papa Ours, cette odeur, quel bonheur! C'est des gâteaux que tu portes sur ton dos? Oui, Corbeau, une montagne de petits gâteaux. Et ils seront pour toi si tu veux bien garder mes oursons. Un peu que je veux. Tape dans ma patte. Attends un peu. Dis-moi d'abord comment tu t'occuperas d'eux. Facile. Si c'est bagarre, j'ouvre grand mon bec et j'écris quoi ? Quoi ? Avec moi, Papa Ours, tes oursons ne bougeront pas d'un poil. Oh non, Corbeau. Tu fais trop peur à mes oursons. On ne peut pas de toi à la maison. Dommage ! Dit Corbeau qui lève la queue et s'envole aussitôt. Font les grosses pattes de Papa Ours. Font les petites pattes des oursons. Renarde sort la tête d'un fourré. Elle se glisse avec grâce jusqu'aux grosses pattes de Papa Ours. Papa Ours, cette odeur, quel bonheur! C'est des petits gâteaux que tu portes sur ton dos? Oui, Renarde, et ils seront pour toi si tu veux bien garder mes oursons. Un peu que je veux. Tape dans ma patte. Attends un peu. Dis-moi d'abord comment tu t'occuperas d'eux. Facile. Au moindre bazar, je retrousse mes babines et gueule ! Avec moi, Papa Ours, tes oursons ne feront pas les malins. Ah non, Renarde, tu fais trop peur à mes oursons. On ne veut pas de toi à la maison. Tant pis pour toi. Renarde va, s'en va, le museau en l'air et en montrant son derrière. Font les grosses pattes de Papa Ours. Font les petites pattes des oursons. Lapin arrive d'un bond. Papa Ours, cette odeur, quel bonheur! C'est des petits gâteaux que tu portes sur ton dos? Oui, Lapin. Et ils seront pour toi si tu gardes mes oursons. Pourquoi pas? Approchez les oursons. Vous savez, je connais cette forêt comme ma poche. Et en plus, j'ai plein de choses à vous montrer. Lapin, viens avec nous à la maison. Pas si vite. Vous devez d'abord goûter à ces petits gâteaux. Papa Ours pose le sac à terre. Lapin se sert. C'est délicieux. Bon, c'est d'accord. Tape dans ma patte. Papa Ours tape dans la patte de Lapin, les oursons aussi, et les voilà partis tous les quatre, chantant sur le chemin.
Papa ours et les oursons sont drôlement contents d'avoir rencontré Lapin. Il paraît qu'il raconte si bien les histoires que parfois, même Papa ours reste pour les écouter. Et dans la forêt, ils ne sont pas les seuls à en profiter. Petites oreilles, grandes oreilles, mon petit conte est terminé. Merci de l'avoir écouté.